Étage 17. Non, on n'utilise pas de verrou. Alors. Attention aux scélérocs, hein. Faites attention. Presque plus de PV. Non, on n'utilise pas de verrou. Il faudrait que vous attaquiez. Ah ouais, mais j'ai mis suivi le meneur. C'est ça, en fait, le problème. Le problème, c'est que je leur ai mis suivi le meneur. Le problème, c'est que leur choix tactique est encore sur suivi le meneur, alors qu'il faut mettre aide le meneur. Ok. Hop. Ouais, d'accord, Folian. What? C'est bon. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. L'erreur. Je l'ai. Ouah, bien. Vous gérez les potes. Attention ici, hein, ça fait mal. Croissance. On va faire tranche herbe. Run protect. Folian. Centrifugif. C'est parfait. Tranche herbe. Centrifugif, ok. Attention à lui encore. Il va falloir qu'il se calme lui, hein. Tranche herbe. C'est bon, c'est Mikao. Attention derrière toi, hein. C'est qui? C'est Solarok. Tranche herbe. Salut Mikao. Ok, on va regarder s'il n'y a pas les escaliers ici. Si, il y a les escaliers ici. Ok. Tranche herbe. Ah, c'était pas assez loin. Tranche herbe. Tranche herbe encore. Une autre fois. Vas-y, c'est bien. Ok, on y va. Étage suivant. Étage 18. Tu n'es vraiment pas équipé contre les types vol. Malheureusement que Lily est là finalement. Je vous avais dit, hein, finalement, Lily, c'était une bonne idée. Polyroche, attention, ça fait mal, hein, Polyroche. Folian. Centrifugif, c'est propre. Lentorbe. Oui, je vais utiliser la lentorbe. Allez, on met KO. Merci. Ok, parfait. Ça, c'est quoi? Une folie orbe. Vas-y, on utilise. Vas-y, devenez confus. Ah, c'est de la salle, c'est pas de l'étage. Je pensais que c'était tous les ennemis de l'étage qui devenaient fous. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des salles, en fait, dans ce truc-là? Ou est-ce que c'est juste un enchevêtrement de couloirs? Ok. Bah, ça va, il se met à pleuvoir, moi je suis chaud, hein. Ça va, hein, s'il se met à pleuvoir, c'est pas incroyable, hein. Ah, c'est vrai qu'il a plus centrifugif l'autre. Bon, on l'a quand même mis KO. C'est parfait. Attention à lui. Tranche herbe. Foiliane. Détritus. Ok, on est bon. Attention à lui encore. Tranche herbe. Tranche herbe encore. Ouais. C'est bon, les escaliers sont là. On y va. Il n'y a plus d'attaque normale. Non, il n'y a plus d'attaque de base. D'habitude, tu pouvais faire un espèce de petit charge ou un petit lutte. Mais maintenant, c'est plus le cas. En effet. Ils ont enlevé ça. Ok, ça, on prend. On y va. Tour céleste. Étage 20. Ok, ça, c'est bon. Hello, toi. Ah, enfin t'arrives à attaquer des gens avec ton attaque, c'est cool.
Attention à lui, lui il peut faire des trucs méchants là, je suis sûr. Vas-y, vas-y, il fait super mal lui, je suis sûr. Foilian. Vas-y, Maz. Ouais, Osmerang. Aïe, ça l'a pas mis KO. Si, c'est bon. On va aller en bas. Boum. Trancherbe. Ouais. Foilian. Ouais. Poudreuse. Ouais. Trancherbe. Pas ouf. Voilà, merci à toi. Allez, viens avec nous. Les escaliers? Non, pas d'escalier ici. On va aller par là. Attention à lui. Ah, il a voulu l'attaquer. Et c'est bon, il l'a mis KO. Ok. Et c'est qui monte de niveau? C'est Lily qui monte au niveau 28. Parfait. Parfait. Lily va prendre coup de boule. Ouais. On va lui enlever... on va lui enlever reflet. Et on lui apprend coup de boule. C'est une très bonne chose, ça. Piège lenteur. Aïe, aïe, aïe. Trancherbe. Masse d'os. Coup de boule. Parfait. Et ben voilà. Aussitôt, aussitôt obtenu, aussitôt utilisé, aussitôt bien utilisé. C'est cool, ça, coup de boule. Allez, on va aller en bas. On va voir. Je trouve que c'est pas du tout en bas, hein, mais j'avais envie quand même de tester. Bourdon, attention. Hein. Ça fait mal, hein, ça. Ouais, c'est bon. Un max élixir. On va prendre, on va boire. Et on va le mettre sur NT. Ou sur... sur casse-couille. Et son attaque centrifugifle, qui est très importante. Ouais. Alors, quel long couloir. Attention ici, trancherbe. Attention à la pression, c'est relou ça. C'est bon. Encore un. Ils sont relous ceux-là, hein, parce qu'on utilise plus de PP à cause d'eux. À cause de pression, et ça c'est pas sympa, hein, en vrai. Hein. Piège fin, yes, on adore. Boire, tac, sur trancherbe. On réveille pas le mec qui dort, s'il vous plaît. C'est parfait. Toujours des gens qui font des travaux à des endroits, hein, c'est fou. Voulez-vous continuer? Oui. Tour céleste, étage 22. On va aller par là. Viens, venez, on retourne sur nos pas. C'est Ptera, lui. Hein. C'est Ptera. Hein. C'est clairement Ptera, lui. Hein. Ça va, ils l'ont mis KO, mes potes. Attention à l'aéromite, hein. Faudrait pas qu'il ait vent argenté ou un truc dans le genre. Je sais pas s'il peut avoir vent argenté, attention. Hein. Je dis peut-être du caca, hein, mais... Je préfère... C'est bon, vous avez fini d'attaquer, là. Faut se calmer, hein. Merci. Nous, on est bon... nous, on veut aller aux escaliers, hein. Voilà, les voilà. Boum, on y va. Étage 23. Attention, hein. Stupéfiabre, tous les ennemis de l'étage, utilisez. Allez, vous êtes pétrifié. Boire sur casse-couille et Osmerang. C'est important. On va descendre là. Non, faut pas l'attaquer, faut pas l'attaquer. Bon, si tu peux, allez. Allez, t'as le droit. Je t'autorise. Les gars, par contre, comment ça se passe au niveau des salles? Vous pouvez faire des vraies salles ou pas? Il n'y a pas de salle. Il n'y a vraiment pas de salle. C'est horrible. Ok, le temps redevient clair. Bon, ça va alors. S'il y a des changements au sein de l'étage, ça passe. Attention, il a pression, lui. Hein.
ça suffit ça. Foiliane. Je peux plus utiliser Foiliane. Vas-y, détritus. On est bon. C'est dommage qu'on ait pas. En fait, on aurait dû garder Absol parce qu'Absol il avait récup PP. Qui permettait de récupérer des PP. Comme son nom l'indique. Non, 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 l'attaquez pas. L'attaquez pas. L'attaquez pas. Voilà, c'est parti. Étage 24. Alors attention à la grêle, hein. Je propose qu'on aille. Eh oh là là, j'avais pas vu que t'avais faim, hein, moi. Faut me le dire, hein. J'avais pas vu qu'il avait faim, moi. C'est bon, c'est pas de ma faute. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On le soigne. Dans le mille. Non, faut pas. Mais t'es... Ok, ça va. Franchement, bien, bien joué. Il y a très peu de salles, en fait, dans ces donjons. C'est beaucoup de couloirs et peu de salles. Qu'est-ce que je fasse, là? Croissance. J'ai peur. Trancherbe. Alerte, un membre de l'équipe. Non, 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 ne pas utiliser. Ouais. Grâce à engrais, hein, je fais plus mal parce que j'ai... Oula, attention. Boîte à objets, est-ce qu'on a encore une baie au rang? On a encore une baie au rang. Tac, manger, anti. En fait, j'ai bon espoir qu'il y a un mi-chemin à l'étage 25 ou un truc dans le genre. Moi, ça me ferait grave kiffer en tout cas. Bah, attends, elle est où la salle? Oh, c'est en bas. Ok, c'est en bas. Vas-y, relou. On n'avait pas pensé qu'il y avait une salle en bas. Tropius. Tropius. Yes. Ok, deux fois croissance. Croissance, lui aussi, il fait. D'accord, ok, bah attention. Ok, c'est bon. C'était pas utile pour lui. Ils sont où les escaliers? Ils sont là, ils sont là, ils sont là, c'est sûr. Ah, on a eu du mal, on a eu du mal. Yes! C'est ce que je vous avais dit. Mini-niveau à l'étage 25. Wow! Wow, 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 wow. Alléluia, ça va le faire, ça va le faire. Ah ouais, non, non, c'était chaud, hein. C'était chaud, hein. On va continuer, mais ça va. Étage 25, pas du tout comme l'original. Ok. C'était combien dans l'original? Le mini-niveau. C'était combien dans l'original? Je regarde si j'ai pas des messages importants, hein. Hop. Vous inquiétez pas, hein. On va reprendre, mais là je fais une petite pause parce que c'était un peu... C'était dur, on peut le dire, hein. Si j'avais su, on n'aurait pas... On n'aurait pas tenté les maisons Pokémon, hein. Je n'aurais pas tenté les maisons Pokémon.
Ok. Allez, j'ai fini de manger. Boum. Ça, ça va par ici. Au niveau du coca, ils ont bien mis... c'est cool, maintenant ils mettent des stickers sur leur truc pour pas que ça casse. C'est parfait. Boum. Hop. On est prêt. Ce n'était pas froid. Oh, c'est pas très grave. C'était... Si, c'était froid, mais c'est pas grave. En vrai, avec ce qu'il y a dedans, fromage, tomate, viande, œuf, c'est pas grave que ce soit froid. Un œuf dur, tu le manges froid. Une tomate, tu la manges froide. Fromage, ça se mange froid. Et de la viande, ça se mange froid aussi. Donc en vrai, il n'y a rien de problématique dans le fait que ce soit pas chaud. Allez, il va falloir qu'on... Quand même, qu'on voit un petit peu qu'est-ce qu'on peut déposer et qu'est-ce qu'on peut retirer. Les pommes, on en a vu qu'on en chopait vraiment pas mal. Donc pas forcément d'intérêt. Ça, on en a besoin. Graines vides, on enlève. Explograine, je vais en enlever une. Colligraine, c'est quoi? Dieu persan, on s'en fiche. Calcium, on l'utilisera. L'orbe beau fixe, ça peut... Ouais, non, c'est bon. Augmente beaucoup l'esquive de tous les allées de l'étage. L'effet perdu tant que le Pokémon reste au même étage. Esquive orbe tout, c'est pas mal. Orbe résurrection, c'est intéressant. Petrifié orbe. Effet perdu jusqu'à ce que le Pokémon affecté subisse des dégâts. Roupie orbe, on va en enlever un. Immobilise orbe, on enlève une stupéfie orbe. On va déposer tout ça. Boum. Et ensuite, on va retirer. Alors, je dois avoir une boîte combo. Boîte combo. Une. Tiens, on n'a pas des capacités intéressantes qu'on peut apprendre à des Pokémon. Ultra laser, casse-brique, façade. Pardon, j'ai pété. Aile d'acier. Chute libre et surf. Non, j'ai rien de spécial, hein. Je suis sûr que tu avais l'inventaire aussi. Ok. Soda PP, c'est quoi? Ça augmente les PP maximum d'une capacité pour toute l'équipe de façon permanente. Et on va en retirer un. Et on va prendre une écharpe défense plus. Qu'on va donner à l'autre. On va reprendre des baies au rang. Parce qu'on n'en a plus. Et les résugraines, je crois qu'on en avait d'autres. On peut prendre une résugraine. Une mini résugraine et deux résugraines. Hop. Parfait. On est pas mal. On est pas mal. C'est parti. Tu es concentré et j'entends. Pardon, j'ai pété. Il n'y a que moi qui a fait gaffe. C'est des choses qui arrivent en fait. Quand vous suivez mes streams, faut le savoir, à des moments, il y a des petits pets qui partent. C'est toujours comme ça. Bon. On y va. C'est parti pour la suite du donjon. Alors. Tac. Boîte à objets. Donc déjà, touc. Donné à Lily. Ok, ensuite, boîte à objets. On doit avoir un calcium. Calcium, c'est augmente l'attaque spéciale. Boire. Et c'est une attaque spéciale ou c'est une attaque... C'est une attaque spéciale ou physique, foyer en étrange herbe? C'est des attaques physiques, ok. Donc le mieux, c'est de mettre sur Lily, alors, avec poudreuse et éclat glace. Lily, c'est spécial ce qu'elle a, elle. J'attends votre poudreuse, oui. Ok, bon, propre. Une boîte à objets.
On a le soda PP qui est ici. Boire sur... Je vais te le mettre sur Osmerang. Parce que c'est intéressant, Osmerang. Et ensuite, le truc combo, la boîte combo, utilisée sur NT. Et on veut lier croissance dans un premier temps avec... On mettait quoi? Croissance et tranche herbe, hein, je crois. Hein. Croissance et tranche herbe, si je dis pas de bêtises. Ouais, croissance et tranche herbe. Croissance et tranche herbe. C'est parti. Parfait. Et voilà, c'est lié. Vous avez terminé? Oui. Ok. Maintenant. Ok, il l'a mis KO directement, c'est propre. Qu'est-ce qu'on a là? Roupie Orb. Ok, parfait. Et on va passer direct à l'étage suivant. C'est good. Sinon, t'as bien aimé le jeu. Franchement, je kiffe, hein. Je kiffe, hein. J'aime beaucoup Donjon Mystère. C'est posé tout en étant un peu stratégique. Celui-là est pas trop trop dur. Ils l'ont un peu, facilité par rapport à la version de base qu'on connaît. Donc en vrai, grave, grave cool, grave content. Voilà, ça c'est fait. De l'argent, vous prenez, c'est parfait. Ensuite, c'est pas par ici. D'accord, il y avait une grosse pomme au sol. C'est bien parce que même les sols brillants, ils les voient. On a une roupie orbe. On a plein de roupie orbes. Alors attends, on va aller voir ce qu'il y a là, quand même. Et c'est une grosse pomme. C'est que des grosses pommes, en fait, qu'il y a dans le sol brillant. Attention à lui, hein. Oulala, oulala, oulala. Libégon, sol dragon. 60. Très bien ça. Ça, on aime. Ok, on prend ça. Boum. Pas d'escalier ici. Pas d'escalier là. On va aller par là. Pas d'escalier ici. Pas d'escalier là. C'est plus tranquille, j'ai l'impression, là. Il y a moins de Pokémon, il y a moins de soucis. C'est plus tranquille. Moi, j'ai l'impression, en tout cas. Allez, attaque. C'est propre. On continue. Où sont les escaliers? Où sont-ils? Bah. Il y a une salle là entre les deux que... Non, il n'y a pas de salle ici. Ici? Ah si. Oh, bah, les escaliers étaient juste au-dessus de l'endroit où j'ai pop. Ça, c'est horrible. Quand tu te rends compte que les escaliers, en fait, ils étaient juste à côté. Ça, c'est chiant. Ok. Hello toi. Ok. Pas ici. Parfait. Pas d'escalier dans cette salle. On prend l'argent quand même. Pas d'escalier par ici. C'est pas une maison Pokémon ça, on est d'accord. Boire, on va y faire boire à... Qui a besoin? Qui a besoin? Qui a besoin? Qui a besoin? Qui a besoin d'huile max pour ses pépés dans le ciel? Une personne. Hop. C'est parfait. Quand tu fais poudreuse comme ça, moi, ça me fait kiffer, hein, vraiment. Boire. Bah, du coup, on va le boire sur lui, mais sur l'autre. Cette fois-ci, sur croissance. Bam. C'est parfait. Se faire huiler toute la journée. Yes. On dirait une musique un peu à consonance asiatique, non? Un peu.
Allez, on a figé tous les Pokémon de l'étage. Et bah parfait, c'est ici. Thaïlandaise, oui. Massage, etc. Bah t'as l'air de t'y connaître, dis donc, Plooper. Tu pratiques souvent le massage thaïlandais? Oula, attention, Drattaque, hein. C'est pas un petit Pokémon, hein. Puissance. Aïe, 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 le taux de critique augmente. Yes, bah on adore. Bon, on s'en est quand même sorti. Attention, un membre de l'équipe n'a plus de PV, c'est pas grave. C'est pas grave, non, non, ne pas utiliser. Tu nous suis ou pas? Ouais, il nous suit, c'est parfait. L'étage est là. On est good. Étage 31. Alors, on évite d'attaquer... Non, 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 non. Non, ne pas utiliser. Boire, alors. Lily, t'as besoin sur poudreuse peut-être? Non, pas du tout. Toi sur centrifugifle. Allez, on va t'y mettre. Hop. On utilise les objets au fur et à mesure qu'ils nous viennent. Et c'est mieux ainsi. Alors, tac, croissance. Ouais. Good. Et en grève, il faisait plus mal. C'est vrai, j'avais oublié ça. C'est vrai que quand il a plus beaucoup de PV, nous, notre Pokémon, il fait bien plus mal. Ok, par là c'est ok. Ouais. Donc ça a mis KO ici, c'est KO par là. Attention hein, quand même, attention Drattaque. Abri. Ouais. On va le faire foiliane. Ouh, le flammage sur casse-couille, c'est pas grave, on va le réanimer. On va le réanimer, mini résugraine. C'est quoi la différence entre mini résugraine et résugraine d'ailleurs? Vrai bail. Quelqu'un sait-il? Mais... Ouah, mais il va arrêter lui? T'as combien de PV, Drattaque? 148. D'accord, ok, j'avais pas compté. Force cosmique. Ouais, bon, on va vite se calmer en fait. Hein? Ok, c'est parfait. Good. Good, good, good. Là en bas. Allez, les escaliers sont là, non? Oui, les escaliers sont là. C'est parfait. Tac, tac, tac. On passe à l'étage suivant. Étage 32. Par contre, fais gaffe à la nourriture. T'inquiète pas, ça va le faire. Ça va le faire, il y a zéro souci. Voilà. Oh, bah c'était propre ça, dis donc. Hop, boîte objet, on va bouffer une grosse pomme, manger sur NT, et c'est parfait. Alors, commençons par là en haut, peut-être. C'est pas par ici. Ça peut être par là. Attention à lui, hein. Attention à lui, je les aime pas, hein, eux, moi. Ouais. Boum, 51, et il rattaque une deuxième fois, 68. Ça suffit pas? Bon, heureusement que ça met KO. C'est propre. Alors, on ne réveille pas, s'il vous plaît, les mecs. Ok, ça a mis KO par ici. Alors, attention, parce que là, ils sont forts, hein, eux. Ils sont forts. Il y en a deux, en plus. Hein. On va avoir besoin de tes capacités type glace. Alors, Lily, par rapport à ça... Alerte, un membre de l'équipe n'a presque plus. Vas-y, on utilise une baie orange sur Lily. C'est bon, on te soigne. Éclat glace, c'est parfait. Poudreuse, c'est bon, tu gères. Foiliane. Éclat glace. Aïe aïe, vol. Faut bouger là. Ok, il le faisait sur moi. Vous avez vu, j'ai retenu votre enseignement. J'ai retenu de votre enseignement. C'est parfait. Hein. Parce que vous m'avez dit, ouais, faut bouger quand ils s'en vont. Et pam, j'ai bougé.
Je suis vraiment un mec incroyable. Yes! C'est bon, on a fini? On va devoir se battre. Non. Tu penses qu'on est mort? Non, c'est le sommet. Qui va là? Qui ose pénétrer mon royaume aérien? Cette voix! Merci. Tu crois que c'est Rayquaza? C'est exact. Je règne sur les nuages. Je vous somme de quitter ses yeux. Oh non, attendez! On a besoin de votre aide! Peu m'importe. Gare! Misérable créature terrestre! Vous vous adressez à un être céleste! Nos mondes respectifs ont réagi par des lois différentes. Jamais, en plusieurs centaines de millions d'années, je n'ai foulé la croûte terrestre. Et je vous saurai gré de ne pas souiller mes nuages de vos pattes impures. Quiconque défie les lois de la nature ne mérite aucune pitié. Votre fin est proche. Alors, OK. Ensuite, tanana. Ok, pas mal. Alors, ouais. Merde, ça a pas marché. Aïe, aïe, aïe. Ok. On va faire une roupie orbe. Parfait. Allez, c'est parti, on va commencer à attaquer avec, avec trancherbe. Attention à Lily. Lily, on va ranimer Lily. Une mini résugraine, parce que Lily, on en a vraiment besoin. Une tempête se lève. Les nuages tanguent sous vos pieds. D'accord. Et donc? Ah, on est TP à des endroits différents. Un cataclysme frappe le donjon. De fortes bourrasques s'abattent sur le donjon. Si un Pokémon est emporté par l'une d'elles, il sera catapulté au loin. D'accord, ok. Alors, le vent vous emporte. Non! Ok, ça va, il le catapulte juste là-bas. Alors attends. Hop. Non, c'est pas là que je voulais le faire aller. Vas-y, je suis vraiment un bolos.
C'est pas là que je voulais te faire aller, toi. Yes, le vent l'emporte. Grave relou. Ultra laser, il va pas nous toucher nous tous les trois quand même. Ok, ça passe. Très bien. Tempête se change. Bon. Objet. On va utiliser... Attends. Je vais mettre là. Est-ce que je peux genre... Boîte à objet. Et faire... Explograine. Lancer. Voilà. Tornade vous soulève du sol. C'est bon, on n'est pas dans la tornade. C'est bon, on peut bouger? C'est bon, on peut bouger. Vitesse extrême, attention, il est KO. C'est horrible ça. Mini résugraine. Ultra laser, aïe aïe. Ok, c'est pas sur... C'est pas sur moi, tout va bien. Est-ce que je peux l'attaquer là? Je peux lui faire trancherbe ou pas? Ouais, ok, ça marche. Membre de l'équipe n'a presque plus de PV. Oui, on utilise une baie au rang sur casse-couille. Membre de l'équipe n'a presque plus de PV, voulez-vous utiliser une baie au rang? Oui, sur Lily. Allez, c'est parti, on essaye. Hein. On essaye, hein. On va voir ce que ça donne, hein. On va... On va lui lancer une résugraine. Une explograine. Voilà. Centrifugif. Ouragan. Attention, hein, ça fait mal à tout le monde. Boîte à objets. On va lui lancer une roupie or, vas-y. Yes, il s'est réveillé directement. Incroyable. Attention, casse-couille va crever, hein. Casse-couille va crever. Allez. Fais-nous croissance, toi encore, hein, étrange herbe. Hein. C'est parti, hein. Ultra laser, aïe aïe aïe. On a les deux qui sont KO. C'est pas très grave, on peut utiliser des mini résugraines. Oh, on a plus qu'une résugraine et une mini résugraine. Donc après, faudra utiliser des orbes résurrection. C'est pas très grave, on en a encore deux. C'est ok. C'est ok. Brocante au sommet du donjon, il se débarrasse de toutes les orbes. Une tempête se lève, nuage sous vos pieds. Est-ce qu'on est au bon endroit? Eh non, on n'est pas placé au bon endroit. Alors attends, il y en a un qui est placé au bon endroit. Lui, il est placé au bon endroit. Lui, il est pas placé au bon endroit. Poudreux, c'est propre. Le vent vous emporte. C'est good, personne nous emporte. Ultra laser, aïe aïe aïe, est-ce qu'il en touche deux? Ah, il en touche deux, c'est relou ça. La tempête se change en tornade. Aïe aïe, lui qui est pas bon. On va le déplacer comme ça. La tempête vous soulève du sol. C'est parfait. Poudreuse. Ultra laser, attention. Là il en touche, ah, il peut en toucher, il en touche deux encore. Vas-y, il est relou. Boîte à objets. Orbe résurrection. Utilisé. Parfait. Centrifugifle. Faut pas qu'on soit tous à côté. Faut pas qu'on soit tous à côté comme ça. C'est pas possible. Il faut pas.
Ok, 39. Il réattaque, il refait 39. Centrifugif, l'éclat-glace. Allez. Mégaphone. Ça passe. Allez! Oui! Oui! On est bon. On est bon. Bah, eh. Eh. Propre, hein? Moi, je trouve que je m'en suis bien sorti. On a mis du temps, hein, on s'est pas précipité, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti. On s'en est super bien sorti. Quoi, un séisme? Mais c'est impossible. On est sur des nuages. Ce sont des ondes de choc. Elles sont colossales. Ah bah je sais. Rayquaza, regardez là-haut. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la météorite, elle est gigantesque. On a essayé de vous le dire, mais vous nous avez attaqué à la place. Maintenant, à cause de vous, le monde va mourir. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Rayquaza? C'était donc pour cela? Bah oui, vite, détruisez-la. Certes. Mais il y a un problème. La météorite est déjà trop proche. Si j'utilise ultra-laser à cette distance... Vous risquez de succomber. Bah ouais, mais tu, c'est-à-dire que si tu l'avais fait juste avant, avant de nous attaquer et que tu nous avais écouté, hein, avec ton rouge à lèvres là autour de la bouche, bah t'aurais pu le faire avant. Tant pis. Ça nous fait pas peur. On savait ce qu'on risquait en venant ici. Très bien. Qu'il en soit ainsi! Bah, il y arrive ou pas? En vrai, c'est joli, hein. En vrai, c'est joli, hein. Bienvenue dans ta mort. Est-ce que c'est un rêve? Non, c'est pas un... Ah non, je me souviens. J'ai été emporté par l'explosion de la météorite. Et maintenant, j'ai l'impression d'errer. Comme un esprit. Que vais-je devenir? Cette ombre, c'est Ectoplasma. Manti, tu te laisses abattre par une petite météorite? De rien du tout, tu me déçois tellement. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Ah, je sais. Et si je t'emmenais faire un petit tour dans le monde des ténèbres, on va rire. Genre vraiment? Ectoplasma est en train de me traîner. Il a dit qu'il m'emmenait dans le monde des ténèbres. On n'est pas dans Yu-Gi-Oh pourtant. Qu'est-ce qui m'attend?
Va-t-il m'abandonner dans un monde inconnu? Hein? Non mais j'y crois pas, je me suis trompé de chemin. Quoi? Je me suis perdu, c'est pas possible. Pfff, j'en ai marre du coup. Allez, je te laisse là. Ciao, minable. Ah ah. Hé! Vous m'entendez? Réveillez-vous! Oh! Où suis-je? Bah, tranquille, alors. Oh! Toi aussi, tu es réveillé! Réveille-toi! Réveille-toi! Oh, il va y avoir plein de voix. Je suis rentré sain et sauf! Mais alors? Ça veut dire qu'Ectoplasma m'a sauvé? Dis-moi! C'est Ectoplasma qui t'a sauvé toi aussi? Vous êtes en vie, c'est merveilleux! On était tellement inquiets pour vous! Mes petits amours, vous avez été fantastiques! Je suis tellement soulagé! Quel bonheur! Merci tout le monde, mais... Et la météorite, elle est où? N'ayez crainte, la météorite n'est plus. Et dans quelques temps, les catastrophes s'apaiseront. Tout le monde a été sauvé. Oui, il n'y a plus rien à craindre. C'est génial. On a réussi, NT. Ça a marché. On a sauvé le monde. Et oui, on a sauvé le monde. Mais. Mais. Parce qu'il y a un mais. Quelqu'un veut un peu coronavirus? Je distribue du coronavirus comme ça. Vous en voulez ou pas? Quelle joie, mes amis! Quelle joie! Il faut fêter ça! Laissez-moi tirer les hydrocanons de la victoire! Fais ce que tu veux, mais... Pointe ton canon ailleurs! Pourquoi l'ombre, l'ombré, tu n'aimes pas l'eau? Allez, une petite douche! ça ira, merci. On va tomber, Octillerie. Attention, si tu recules trop, tu vas tomber de la falaise. Notre ami n'apprécie pas notre humour. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Très drôle. Et là, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à tous les épisodes de Joséphine Ange Gardien. Genre, tu sais, genre Joséphine qui vient de bah, d'aider tout le monde. Et puis elle se cache et puis elle fait oh attendez, je vais juste aller chercher du gâteau et pam, et puis elle s'en va, elle disparaît. Ah mais t'as tellement raison, c'est ça, hein, c'est ça. Hein. What the fuck, ok. NT. Garde voir, tes amis et toi avez accompli un véritable exploit. Grâce à vous, la paix est revenue sur notre monde. Merci pour tout. Néanmoins, ton rôle s'achève ici, NT. À présent, tu dois retourner dans ton monde. L'heure est venue pour toi de faire tes adieux. Voilà. Le moment fatidique est arrivé. Andy, je suis désolé, mais il te faut dire adieu à tous tes amis. Qu'est-ce que tu fais, Andy? Andy, ton corps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que oui? Les amis, je suis navré, mais je dois partir. Quoi? Comment cela? Merci pour tout. Du fond du cœur, merci. Mais
Tu dois partir. Comment ça? J'ai accompli mon devoir en tant que Pokémon. Je dois retourner dans le monde des êtres humains. Que dis-tu? Retourner dans le monde des êtres humains? Mais enfin, pourquoi? C'est pas possible, tu peux pas partir. Je croyais que tu étais mon ami. Je le suis. Et je le serai toujours, Casse-couille. Je ne t'oublierai jamais. T'en vas pas, Elty. Je suis vraiment très heureux d'avoir fait ta connaissance. Mais Elty, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Pardonne-moi. Adieu. Andy! Oh non, Andy! Andy! Oh bah, je suis toute chose, hein! Il est parti. Je lui dois la vie. Et je n'ai même pas eu l'occasion de lui montrer ma gratitude. J'aurais tant voulu lui dire merci. C'est vrai. Il est parti si vite. Alors que le monde vient tout juste d'être sauvé. Et que la vie va reprendre son cours. C'est trop triste. C'était écrit. Grâce à Nenty, notre monde est sauf. Je me souviens, quand il s'était lancé vers les cieux, il était déjà résigné. À cet instant, il savait que son destin était scellé. J'en suis sûr maintenant. J'ai compris pourquoi il a été transformé en Pokémon. C'était pour nous sauver. Et quand la météorite a explosé, il savait qu'il allait devoir repartir. Mais alors pourquoi? Pourquoi il ne m'a rien dit? S'il savait que ça allait arriver, il aurait dû me le dire. C'était impossible. Car au fond de son cœur, Enti ne voulait pas se séparer de toi. Essaie de le comprendre, Casse-couille. Sniff. Oh, Enti. Que se passe-t-il? Je m'élève dans le ciel. Serait-ce mon esprit? Je me demande où je vais. Oh, une voix! J'entends une voix! Ton partenaire... Attends. Partenaire a le cœur brisé. C'est la preuve d'une amitié sincère de celle qui entoure de vie. Tu te rends compte à présent? Mais si tu le souhaites de tout ton cœur, vous pourrez peut-être vous revoir. Staff crédit! Producers, directors, event director, lead game planner, game planner, lead programmer, programmers. Eh ben, je crois que c'est la fin du jeu, hein. Character modeling. Character animation. Graphic effects.
Mais on n'est pas mort quand même. Me dites pas qu'on est mort quand même. Il a dit que quand même, si on y croit beaucoup, on va pouvoir revenir. Hein. Donc moi, je pense qu'on va quand même pouvoir revenir. Hein. Eh oh, on va quand même pouvoir revenir hein, parce qu'il a dit qu'on pouvait quand même revenir. Hein. Moi, je sais, hein, moi j'ai compté le nombre de petites cases qu'il y avait sur l'icône quand on sauvegardait. Et des petites cases, il y en avait genre 28. Et des petites cases, on n'en a rempli que 5. Donc arrêtez de faire croire que ben on a perdu le jeu. Hein. On va revenir. Hein. Moi, j'ai de... Et tu es pas bête, hein. Pas bête, moi, j'ai compté le nombre de cases. Hein. Moi, j'ai compté le nombre de cases. Hein. Moi, je sais. Hein. Moi, je sais. Hein. Non, c'est fini. Après, là, tu recommences le jeu en mode difficile. Non, mais j'ai compté. Hein. J'ai compté avec, avec ma tête. Et je sais hein, que c'est pas fini. Hein. Bon, en tout cas, en vrai, les gens... D'habitude, je fais un petit discours sur les génériques. Donc, faisons un petit discours. C'était vraiment très très cool de revivre Pokémon Donjon Mystère. Je vous avoue que je me rappelais plus du tout du jeu. Et comment vous dire que c'était un plaisir énorme de revivre ça avec vous, à la fois en stream et également pour les gens qui ont suivi ça sur YouTube en rediff. Mais surtout en stream, c'était très cool. C'est la première fois vraiment qu'on faisait un jeu de A à Z en stream pour la première fois. Et c'était vraiment très très cool de vivre ça avec vous. C'était notre petit rendez-vous, ça a été notre rendez-vous pendant une petite semaine, hein, certes. Hein, mais c'était très 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 cool. Et voilà, on a bien déliré, on a eu quelques petites phases un peu sympas. C'était drôle, c'était plutôt cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé, je vois que vous dites que c'était génial. Du coup, j'ai revu tout le jeu avec toi, flemme de l'acheter. Ah bah ça c'est à vous de voir. En vrai non mais avis honnête sur le jeu, très très bon en fait. Moi je le trouve très cool. Donjon Mystère c'est un bon jeu. C'est un bon je trouve que l'univers Pokémon s'adapte très très bien à ce style de jeu. Et non c'était cool. Justement pas trop difficile, avec quand même des combats un peu stratégiques hein. Mais je suis content d'avoir réussi. Voilà, on a perdu une seule fois. La seule fois où on a perdu, c'était dans le donjon contre Groudon. Et on a dû se faire sauver, mais après, on s'en est sorti. Donc, en vrai, bel beau moment passé avec vous, en tout cas. Et puis, voilà, je remercie. Bah, là, vous avez été en pic 220 personnes à suivre ce stream. Donc, c'était très, très cool. Et voilà, merci aussi à tous les gens qui ont sub, qui ont fait des petits cheers pendant les épisodes. C'est très très sympa. Et puis voilà. Maintenant, l'aventure ne s'arrête pas là. Hein. Il nous reste des choses à faire dans Pokémon Donjon Mystère. Hein. Sachez-le. Hein. On va peut-être pas faire le 100%, attention. Mais on va espérer faire voilà, quelques petits trucs post-game. On va voir. Alors, de toute façon, j'ai prévu que déjà on se retrouve demain. Pour la suite, pour continuer le jeu. Donc ça, déjà, c'est sûr. C'est sûr. Et là, je crois qu'on arrive à la fin du générique, si je dis pas de bêtises. Le post-game est long, en vrai. On verra, on fera un peu de post-game. Je dis pas qu'on fera tout, mais on fera un petit peu de post-game. De toute façon, Animal Crossing n'est pas encore totalement là, donc on devrait s'en sortir. Attention, que se passe-t-il? Je ne veux pas partir. Je veux rester ici. Avec mon partenaire. Avec mon irremplaçable ami. Casse-couille, retourne-toi! Casse-couille, retourne-toi! Vas-y, faites-vous un câlin, les bros, là!
Donjon mystère, c'est pas de la merde. Donjon mystère, c'est pas de la merde. Donjon mystère, c'est pas de la merde. En vrai, c'est très très cool. Mais pas celle des Boysters. Il reste des sauvetages à effectuer. L'aventure continue avec un nouveau chapitre. Les Pokémon légendaires peuvent désormais apparaître. Amusez-vous bien.